Beaucoup de cargo qui m'arrive dans la gueule. Et en plus, t'as les queues. Ben voilà, j'avais vu une petite rivière pour passer la nuit là, un petit plan d'eau, je m'étais dit yes, nickel, j'arrive là. Immense grille, bon c'est déjà bientôt 7h le soleil se couche dans 1h30. Le prochain on l'aura en sécurité, je vais pas y arriver, donc je vais dormir là. Voilà, je vais dormir sur le bateau, ça ira beaucoup mieux quoi. Tchao, c'est pas croyable. Bon, là je me prépare vraiment à passer une très mauvaise nuit. J'ai même pas envie de voir plus, il y a des 15 km/h devant. On va voir déjà demain comment est-ce que je vais réussir à rentrer la tente de nouveau. Mais là je me suis posé là-dessus, tout est humide, je m'en fous, je garde la combinaison. Je change rien du tout, je reste comme ça et j'attends demain matin, le soleil se lève et je fous le camp d'ici quoi. C'est vraiment fait chier quoi, j'ai mal calculé mon coup là. Enfin voilà. Bon bah pour l'instant c'est la moins bonne idée que j'ai eue quoi. Là je peux rien installer, pas la tente, pas le sac, enfin la tente si, mais pas le matelas, pas le sac de couchage. J'ai mis la combinaison, je reste avec le gilet. Et en fin de compte, voilà quoi, j'avais pensé passer la nuit ici, j'avais fait mon planning de la journée, ça faisait mes 50 km. Et j'arrive là et je vois une grille. Et il y a un petit effet Venturi qui se fait, c'est que j'ai dû passer un tunnel. Et le vent, mais il vient en fait en face du tunnel quoi. Et Michel de siroute.fr m'annonce des 25 à 30 nœuds de vent ce soir quoi. C'est abusé. Donc bon on verra quoi. La tente je peux même pas la fermer. Faut que je garde un pied dehors au cas où pour me sortir de là, sinon ça peut être pire quoi. Mais bon, le bateau. Ce qui est bien c'est que le courant il amène le bateau contre la grille, donc normalement ça devrait être bon quoi. C'est un truc qui lâche, je pense que c'est le toit de la tente en fait. Parce que je peux pas l'assurer mieux que ça. Enfin voilà. Pour l'instant il y a un repas qui est en train de chauffer là, voir Forestia. Ça c'est cool. En quelques minutes je vais pouvoir manger. Pour ce soir, j'ai encore des biscuits, des chocolats de Military Megastore. Et puis voilà quoi, j'ai quoi, j'ai une dizaine d'heures à tenir. Putain, et vivement demain que le soleil se lève et que je bouge d'ici quoi. Ah mais direct. Et il paraît que ça va se calmer à 1h du matin quoi. Ah ouais, je te raconte pas l'humidité qu'il va y avoir quoi, ça va être drôle. J'ai déjà froid aux pieds, j'ai déjà le cul qui trempe. Big up, vive l'aventure, trouvenemo.com. Je vous aime les enfants. Papa voilà. Et il vous aime. Bye bye. On utilise maintenant ce qui reste qu'à servir à chauffer la nourriture là, j'utilise comme chaufferette pour les mains là. Fait du bien. Un petit moment là, je pense, je sais pas combien de temps ça va durer, je pense 30 minutes. Et ça fait du bien. Allez, bye bye. Il n'y a qu'un truc à faire. Fermez les yeux et attendez. C'est pire en pire, je sais que ça va se lever encore plus. La voir à la tente là, elle s'est carrément levée, il y a une bourrasque là. Putain, Carlos les bons tuyaux quoi. Dire que c'est mon travail de checker les chambres d'hôtel, de vérifier que c'est des bonnes réservations, que c'est pas des hôtels qui craignent.
Eh ben faites-moi confiance. C'est mon taf. Terrible. Terrible. Putain, ça fait chier. Est-ce que c'était pas prévu? Ça me saoule. Enfin, ça me saoule. Je fais avec, quoi. Juste fermer les yeux, attendre que ça passe. La tente, elle est ouverte au cas où je dois sortir. Après, il y a l'humidité qui va s'installer. Ça va être pire. Mais pour l'instant, ça va. J'ai chaud. Franchement, dans la combinaison étanche, là, j'ai chaud. Là, ça fait déjà, franchement, là, ça fait déjà partie un petit peu de la survie. Un petit peu n'importe quoi, là. Ça bouge dans tous les sens. Voilà, voilà. Allez. Ouais, au petit passage, là, un message pour Thierry Bruno, là, mon dentiste. Non, non, pour l'instant, je préfère être là que d'être dans ton cabinet. Hein. Je t'aime beaucoup, tu fais un travail d'enfer. C'est excellent, tu prends vraiment soin de moi. Mais non, pour l'instant, même avec des 20 nœuds de rafale de vent et tout ça, jusqu'à 30, je préfère être ici que dans ton cabinet. Je te redirai vraiment quand ça ira pas, je préfère être dans ton cabinet. Surtout que là, j'ai la mare dans la main, là, j'ai attaché à mon doigt, comme ça, s'il se passe quelque chose, eh ben, je vais le sentir. Oh. Je vais en profiter quand même pour essayer de dormir. J'ai la fatigue qui vient, c'est une bonne chose. Dans le sac de rangement de la tente, je me suis souvenu que j'avais un sac de survie. Alors c'est cool. Je sais pas quelle heure c'est. J'ai le droit à des rafales de vent. Et puis voilà quoi, on attend que ça passe. Mais c'est cool, je sens déjà la température, j'ai pu la mettre sous mes fesses, donc l'humidité là ça l'a stoppé. J'avais la même chose sous le genou là, enfin sous l'épaule. Donc c'est cool, ça augmente quand même d'un ou deux degrés quoi. Allez. Bon, c'est 2h30 du matin. Comme Michel l'avait dit, le vent s'est un petit peu calmé. Et maintenant, je remercie encore une fois la famille Kardiki. Parce que là, il m'en reste encore deux. Les autres, je les ai donnés en fait. J'avais quatre petits, mais ça me faisait du poids sur le bateau. Ça servait à rien. Allez. Oh mon dieu, ça marche encore. C'est une petite chaufferette là. Fait du bien. Bon bah voilà, le soleil s'est pas levé mais le jour se lève. Il y a des gars qui sont passés en vélo, ils m'ont éclairé, ils m'ont crié dessus, c'est bien. C'était il y a quoi, il y a une heure, bah heureusement je dormais pas. Je suis sorti de la tente, j'ai dit que ça allait, là ils sont barrés. Et puis je crois que j'ai foutu un jour en l'air en fait, parce que là je vais faire les 3-4 km que j'ai pas réussi à faire pour rejoindre un port et puis il faut que je dorme. Il faut que je puisse réinstaller la tente avec le matelas, le sac de couchage et me réchauffer quoi. Parce que là j'ai les pieds, ils sont gelés en fait. Et voilà. Allez, à tout à l'heure. Allez, c'est bon. Il y a assez de soleil. C'est parti. Bon. Et enfin, je suis en sécurité. On va se faire à manger.